Bonjour à tous et bienvenue sur la Gata TV. Vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur le jeu Team Sonic Racing. Donc on ne présente plus le petit hérisson bleu de la franchise Sega. Donc tout le monde le connaît, donc normalement. Donc Sonic accompagné de son ami Tails, Knuckles et Amy. Donc on le retrouve dans un jeu de course à la Mario Kart. Donc il y avait déjà des jeux de course Sonic qui étaient sortis il y a quand même quelques années. Et donc là, un jeu est sorti le 21 mai 2019 qui est disponible sur Steam pour 40€. Donc comme je l'ai dit, c'est comme un Mario Kart, donc on fait des courses, on a des objets, on bourrine les autres voitures et on essaye d'être premier. Donc niveau configuration pour PC, ça va encore, ça demande un i9 pour la configuration recommandée, une petite GTX 970, donc ça va encore, 8Go de mémoire. Et il prend environ 32Go d'espace sur le disque. Donc hop là, on va commencer directement. Donc on a un mode histoire, on a le local play, donc c'est les parties en local. Donc si on va dedans, on retrouve les grands prix, les courses d'exhibition et les contre-la-montre. On a bien sûr une fonction online, on a les stats, on a le garage, donc on peut modifier un peu les voitures. Donc on retrouve un peu les personnages connu de la franchise, donc avec Sonic, Amy, Blaze the Cat, Shadow, donc ça c'est Sonic Metal, le Docteur Eggman, donc le grand méchant, là on a Rouge, ça c'est Silver, je ne sais pas, et ça me dit rien, on retrouve Tails, Knuckles, Big, Vector, et ces deux-là, je ne connais pas tous les personnages non plus. On peut même changer un peu la couleur des voitures. Qui est plutôt bien, il y a pas mal d'options de personnalisation. Mais bon, on va laisser les voitures avec leur couleur d'origine. Et par quoi on va commencer? Bon, on va se faire un petit grand prix. Donc après, on peut faire les grands prix en équipe ou en standard. Moi, je vais partir sur du standard. On va tester en hard. Grand prix 1, qu'est-ce qui me tenterait? Celui-là il me tente bien. Bon, bien sûr, je vais prendre Shadow vu que ça a été mon personnage préféré de cette licence là. Par rapport aux couleurs et puis le style. Mais après, chacun ses préférences. Hop là. Donc je découvre ça avec vous. Je ne connais pas les touches, même si je pense savoir à peu près quelle touche permet d'accélérer, quelle touche de freiner. Et on va voir un peu la maniabilité de tout ça. Donc la petite intro du jeu, la vidéo d'intro que j'ai bien aimé aussi, qui était entraînante avec sa petite musique. Allez, c'est parti. On accélère. Ouh, par contre là, la direction, elle est très 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 lourde. J'ai l'impression que pour tourner, il faut que je mette le joystick à fond. Bon, j'exagère un peu, il n'y a pas besoin de le mettre à fond, mais on sent que ça a du mal. Donc là, j'ai une sorte de fusée. Donc la gâchette droite pour accélérer, donc la gâchette gauche pour freiner. Le bouton A, je joue à la manette bien sûr, le bouton A pour lancer les objets. Par contre, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai enlevé le curseur de la souris? Ah ah. Ça par contre... je n'ai pas fait gaffe. Donc il y aura peut-être le curseur qui va apparaître sur cette première partie de vidéo. Je vais regarder ça vite fait après. Donc là, on a les launchpads pour accélérer. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. Gâchette gauche supérieure pour drifter. Par contre, là, je me suis... ok, ils ont tous carotté les enflures. On va lancer ça. Ok, c'est pas un missile guidé. Hop là. Oh, j'ai eu chaud sur ce coup-là. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait un trou. En soi, ça va. L'univers est assez coloré. Bon, ça reste dans le même style que Mario Kart.
Donc le principe c'est le même. Là j'aurais pu déraper à mon avis. Oh ça a été un sacré boost. Donc ouais, en haut à gauche on retrouve ma position. Donc là je suis 8ème. C'est pas très folichon tout ça. Je pensais pas que la difficulté en hard serait si difficile. Mais bon. Donc là on a Ami. Oula, qui s'est fait dézinguer d'un seul coup. Ce n'est pas grave, on va continuer. Hop. On gagne des positions. Quatrième. Ça je ne sais pas ce que c'est. Donc on saute. Allez hop. Sur les montgolfières. On récupère le boost. On drift assez près du mur. Bon bien sûr, en évitant de toucher le mur. Ouais, la direction par contre c'est assez bizarre. Les véhicules restent maniables mais assez lourds. Hop, on récupère un maximum d'anneaux. Donc les fameux anneaux que Sonic récupère. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je ne me rappelle plus du tout le nom. En même temps, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé un Sonic. Ou même joué. Je crois que le dernier Sonic que j'ai joué, c'était sur DS. Je me souviens même plus du nom. On pouvait incarner Sonic et puis Blaze the Cat. Allez, hop. Donc là, on a largué une caisse. Donc là, on peut regarder derrière. Bon, pour une découverte, franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a moyen de s'amuser tout le long. Oui, j'ai pas vérifié si on pouvait lancer derrière, mais je pense que oui. Sinon, ça ne serait pas très logique. Puis ça limiterait quand même pas mal les choix. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah. Bon, bah, j'en ai touché un. Aïe. Là, ils m'ont mis cher les enflures. On va essayer de rattraper ça. Mais en plus, ils m'ont pris tous mes anneaux. Allez. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de système de dérapage super. Enfin, ah si. Ah si. Ouais, donc c'est bien comme Mario Kart. Il y a un système de dérapage super où qu'il faut faire gauche, droite, quand on dérape pour pouvoir charger le dérapage. Et une fois qu'on relâche la touche... Ça nous donne une petite accélération. Donc là, on est troisième. On va essayer de ne pas se faire avoir par les trous. Deuxième. Ah, purée! Ah, mince. Oh, la connerie. Oh, comment j'ai foiré là au dernier moment. J'avais moyen de rattraper et je me suis bouffé le poteau. C'est super. Ah, et malheureusement, il y a la souris qui est apparue. Donc, je vais enlever ça tout de suite. Non, c'est pas là-dedans. Ça doit être là-dedans. Et voilà. Bon, bah, désolé pour cette première course. Vous aurez la souris en plein milieu. Je pensais l'avoir désactivé, mais il faut croire que non. Donc là, on a le tableau des scores avec la position et puis bah le temps. Ah, les temps sont quand même assez serrés à quelques secondes près. Et les crédits que l'on a gagnés. Donc pour l'instant, 6ème, on va essayer de se rattraper. Donc bien sûr, quand l'on joue en team, on peut faire des attaques combinées. Donc comme il l'expliquait, les attaques ultimate, plutôt team ultimate, en appuyant sur Y. Hop. Ah, sa voiture est quand même badass. Allez, c'est parti. Hop là. Un bon départ ce coup-ci. J'ai cru que j'allais pas avoir d'objet. Un petit coup de boost. Ce qui est un peu embêtant pour les objets, c'est que
Les images sont pas très représentatives de ce que l'on a. Waouh. Là, je me suis fait bombarder. Et puis, royalement. Hop là. Par contre, quand on est dans les airs, on peut vraiment diriger le véhicule un peu comme on veut. C'est plutôt bien. Allez, on va prendre le pad. On va aller là pour récupérer un objet. Donc ça, la sorte de pieuvre, on dirait que c'est un boost. Mais je ne vois pas pourquoi une pieuvre. On va prendre les objets par ici. Donc là, on défie un peu la gravité. Encore un boost. Oula. Ah bah mince. Et j'ai un peu coupé, on va dire. Mais bon. Allez, on va essayer de rattraper tout ça. Donc là, on est entre... Ah, j'ai même pas pris d'objet. Knock. Oh là, ils se sont tous amusés à se bombarder devant. C'est bon pour moi, j'ai pu remonter. Ami qui ne veut pas me laisser passer. Mais elle ne va pas avoir trop le choix. On va refaire la même. Par contre, je ne sais pas c'est quoi la touche pour faire un peu des cascades. Là, je n'ai pas touché le mur. Ça fait zigzaguer apparemment. Hop là. Donc ça correspondrait à une tortue verte. Ok. Ça, je ne sais pas. À mon avis, c'est pour les pneus adverses. Si l'adversaire roule dedans, ça lui fait des dégâts. Le petit fantôme. Donc ouais, ça c'est connu. On passe au travers des choses. Hop. Là, j'ai récupéré un objet, je ne sais comment. Cette partie-là se présente mieux que... que la première. J'ai un peu foiré mon coup là, je vous l'avoue. Ok. J'ai Big qui m'a donné un petit coup d'accélérateur en me fonçant à l'arrière. Ah mince, je me suis fait avoir. Ah dommage. Dommage. Mais troisième malgré ce petit coup final, cette petite board que j'ai faite, mais... ça me va. Non, franchement, le jeu est quand même assez prenant. Après, ça reste un jeu de course arcade comme tous les autres. Mais franchement, il est plutôt bien. Allez, on va passer à la course suivante. Donc là, on est remonté 4ème avec 17 points. Mais bon, Dr. Eggman est quand même 20, premier avec 27 points. En tête à tête avec Blaze. Et juste au-dessus, il y a Big avec un point supplémentaire par rapport à nous. Allez, donc ouais, en ligne, on a un système de rang. Donc ce qui est plutôt normal. Oh, petit univers glacé. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a pas mal d'endroits où ça défie, on va dire, la gravité avec des tournants et puis des sortes de looping. Allez, c'est parti. Ah, là j'ai foiré. Dommage. Même la petite carte à droite est en 3D. Et comme par hasard, je passe pas sur le bon endroit. Enfin, on va dire que si, mais bon, l'autre était plus safe. Donc là, oh l'enflure. J'ai vu la bombe arriver juste devant. Ce que je trouve dommage par contre, c'est que dans les jeux de type arcade comme ça, les univers où c'est du cristal de la glace,
Il n'y a pas de... Ça se... C'est pas représenté au niveau de la direction, tout ça, de la maniabilité. Je trouve ça un peu dommage. Ça serait pas mal que ça rajoute... Oula, j'ai confiance, moi. Ouh, par contre, celui-là, il a l'air d'avoir pas mal de choses. Ça serait pas mal que ça soit représenté au niveau de la direction, vu que là, ça a l'air de glisser, que la voiture soit un peu moins maniable. Bon, ça rajouterait un peu de difficulté, mais bon. Oh, le looping. Et c'est parti, on continue. Sixième. Hop là, toi, je te repasse devant, Big. On va essayer celui-là. Oh, c'est archi classe quand même. Dommage qu'on peut pas tourner un peu la caméra. Allez, on va mettre le fantôme. Vu comment je me suis pris la bombe tout à l'heure. Hop. Ah, je sais pas par où je suis. Je suis passé par ce chemin-là au début. Oui. Oui, oui. Ça me dit quelque chose. On récupère un maximum d'anneaux. Allez, j'ai touché. Donc là. Heureusement que j'ai mis le fantôme. On va essayer de passer par là. Ah, je me suis fait aplatir. C'était une mauvaise idée. Attention à la bombe. Je pensais que ça serait passé, mais non. Donc raccourci un peu foiré. Donc là, on va éviter les lignes. Heureusement que ça prend pas en compte quand t'es au milieu. Sinon, j'aurais fini cramé. Je suis quatrième. Allez, le petit bump. Donc Eggman est toujours premier. Ah non, il s'est fait doubler par Blaze. Et par moi. Allez. Par contre, je me fais talonner par Big. Qui vient actuellement de me doubler. Oh, magnifique, il a réussi à avoir Blaze. Ah. La sorte de dragon nous a shooté. Enfoiré de Tail. Il m'a pris mon objet. Mais bon, ça fait partie. Ah, mais. C'est sérieux, ça? Est-ce qu'on retente? On va pas retenter. Je me doutais que je me le serais pris. Un petit coup de boost. Ça reste quand même serré. Oula, je vais atterrir sur la gueule. Et je suis premier. On va essayer de rester comme ça pour le final. Et voilà, première course où je suis premier, même si c'était assez tendu. Après, il faut dire que j'ai aussi fait pas mal de petites conneries. Donc je me suis fait avoir. Donc... Hop là, on a gagné des crédits. Raboule les 15 points. Et est-ce qu'on va passer au-dessus de Big? Normalement, oui, largement. Mais est-ce qu'on va rattraper? Ouais, on est quand même un peu loin. Je ne sais même pas si je vais pouvoir finir premier sur le classement général. Allez, on va faire la dernière course. Ah, sur un univers qui ressemble un peu plus au Sonic. Ah tiens, ça me fait penser à Sonic Heroes. Ah, ça me fait penser à un univers de Sonic Heroes, c'est marrant. Allez, c'est parti avec la Super GT de Shadow. Hop là. Ah. Toujours ces univers assez colorés de la part de Sonic. Allez, c'est parti. J'ai réussi à récupérer un truc. Ça, c'est quoi? C'est la bombe. J'ai failli me la jeter sur la gueule. Oh. Ah, les fameux loopings du jeu de plateforme. Allez, hop. Bon.
J'ai un peu trop rasé de près. On va faire comme si on n'avait rien vu. Des petits sauts. Ça, toi, c'était pour tout à l'heure. Allez, allez, allez. Ah. J'ai encore du mal avec le joystick. Hop là. Un petit coup de boost. Les boîtes bleues, j'ai pas confiance, donc je ne vais pas aller dedans. C'est quand même assez dynamique. Autant les premiers niveaux étaient, on va dire, plats, autant là, franchement, ça bouge pas mal. Ok. Enflure. Je crois que ce soir, je vais bouffer du crabe. Allez, hop. Désolé, ami, mais c'est le jeu. Je veux conserver ma troisième place. Allez, hop, on continue. Attention à la boîte. Ça, c'est les bombes, ok. Ah, j'ai toujours pas testé de la mettre en arrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, ouais, ça brouille la vue, on dirait. Ouh, par contre là, le rebond, je sais pas ce qui est passé, mais... Ah! Wow, ce piège-là, c'est vraiment traître. Mais archi classe, un truc qui te prend comme ça quasiment toute la largeur de la route. Bon, attention au crabe, attention à celui-là aussi. Toi, je me suis bouffé celui-là tout à l'heure, mais là c'est bon, ça passe. Et voilà, ça passe. On va mettre les petits cubes. Hop là. Qui c'est qui me talonne? C'est la sorte de dragon. Ah. J'ai bouffé le mur. Oh, je kiffe ce petit passage là avec les deux virages, deux trois virages à la suite. Et ouais, on peut lancer les objets par derrière. Allez hop, on arrive bientôt sur la fin normalement. Et je me rebouffe encore le mur. Oh. Oh, il m'est tombé dessus. J'ai un gros tas qui m'est tombé dessus. Ah. On va essayer de passer par là. Je pense pas que c'était une bonne idée. J'ai plus perdu qu'autre chose. Dommage. J'ai plus perdu qu'autre chose en faisant ça. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais bon. Franchement, les maps sont assez différentes. Ça apporte pas mal de diversité et puis... Faut le dire, le jeu est quand même assez fun. Je me souviens des anciens jeux racing de Sonic où que j'avais du mal à accrocher, mais celui-là, franchement, je crois que je vais faire un peu toutes les maps, peut-être en record, puis je posterai ça par la suite. Et donc, on est quatrième, non, c'est pas le classement général. Ah, on passe quand même deuxième. Ouh, Zavok a quand même pris assez cher, Blaze aussi. Donc premier Eggman, deuxième moi, troisième Big et quatrième Zavok. Dommage qu'il n'y a pas une petite cinématique de Grand Prix. Mais bon. Donc voilà, c'était une petite vidéo découverte sur Team Sonic Racing. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Laissez votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.